But we're bringing it over also into the Threatened or Protected Species in terms of the Biodiversity Act. It gives it a higher status in terms of the protection status of the species involved. So we're going to regulate it in terms of that, not the Marine Living Resources Act anymore. So we haven't implemented yet, but the Act is in place, and those are the penalties in terms of the Act itself. So if you operate without a permit, or if you violate any condition attached to the permit, that is the penalties that are associated with that. And in the regulations, we will also have offences, but those penalties are 5 million rand for 5 years imprisonment, or 3 times the commercial value of the species involved. So there are also those, in terms of the regulations, there will be offences. But I think we can share the, it's in English, yes. But we can share the provisions that we have in place, of course, with them if they're interested. Okay. We will translate them to the Bernese law in like 20 years. Back down over there. On va raconter un peu comment s'appelle la réglementation. Oui. Make it more hard. Nice. Plus sévère. Oui, plus sévère. Yes. Mais il faut les appliquer aussi après. Application. On va faire. So I was asking, I'll come back to the French, but I was asking the question because in Canada we have the same kind of regulation, and I don't want to speak on behalf of the government or even the people in Quebec in the St. Lawrence, where we have a big whale watching industry, Tadoussac. I don't know if you were to my presentation 2 days ago, but anyway. And one thing now that they did last year is an alliance called Alliance Éco-Baleine. Et donc, je disais qu'au Québec, au Canada, donc dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de Tadoussac, où on a un parc marin provincial, fédéral, qui est assez unique. Donc, il y a une industrie d'observation de baleines qui est très importante. We have 13 species of whales in Tadoussac, where we can observe. So, 13 espèces de baleines, dont le calabos, qui est en moins grande quantité que les autres espèces. Mais, donc, c'est des centaines de milliers de touristes qui passent chaque année, chaque saison, parce que c'est saisonnier, nous aussi. Il faut savoir donc que dans le Saint-Laurent, ce sont les aires d'alimentation, parce que les humpbacks, les baleines à bosse, partent du nord du Québec, entre autres, du Groenland, etc., et descendent dans le sud jusqu'en République dominicaine et dans les Antilles. Donc, c'est des aires d'alimentation, c'est des centaines de milliers de touristes qui passent là, donc c'est une socio-économie extrêmement importante. Il y a des régulations, 400 mètres d'approche pour les plus gros bateaux, etc. Je ne redirai pas ce que mes collègues d'Afrique du Sud viennent de dire, ça se ressemble beaucoup. Il y a une chose qui a été très importante, c'est que les gens de l'industrie de l'observation de baleines, les gens du gouvernement, les gens qui renforcent les lois, les ONG également, travaillent ensemble depuis longtemps. Et donc, je donnais l'exemple au tout début de l'alliance qu'on appelle l'alliance Éco-Baleine, si vous allez sur Google, vous allez voir ça. Et très intéressant comme exemple. Donc, je voulais faire cet ajout par rapport à ce qui existe. Et j'ai eu l'occasion d'aller, je terminais ça, en République dominicaine au mois de mars pour aller filmer les baleines à bosse et tout. Et Kim Bedard, qui est une Canadienne d'ailleurs, qui a commencé l'industrie d'observation de la baleine dans les années 85, est une pionnière, fait en sorte que maintenant, en République dominicaine, dans la baie de Samana, qui est très touristique, et là, c'est des aires de reproduction. Alors, c'est plus alimentation, les baleines vont se reproduire là. Encore là, il y a une industrie qui s'est développée depuis toutes ces années, qui est extrêmement intéressante. Je ne voudrais pas vous donner de chiffres, un petit peu de temps, en leur nom, mais ça aussi, vous pouvez aller voir ça. Alors, donc, il y a tout le temps ce même principe de régulation, mais l'emphase que je veux mettre ici, c'est de s'assurer que les gens qui sont concernés, donc l'industrie, du gouvernement, du renforcement, les ONG puissent s'assurer de se retrouver ensemble et également avec les scientifiques, évidemment, qui font de la photo-identification. Chez nous, en République, que c'est les baleines qu'on trouve dans le Nord, dans le Saint-Laurent, etc. Donc, Eve, could you also very briefly in English? Yeah, well, what I was saying is that I don't want to repeat what you said because there's a lot of places. I'm giving the example of the St. Lawrence in Quebec in Canada,
for the North Atlantic humpback whales, for example. We have 13 species of whales that you can observe when you go in on a boat, you know, near a data set. And so, but this alliance, Eco, Anios Ecovalence, or Eco Whale Alliance, the point, my emphasis here is to make sure that you can bring all the stakeholders together, the industry, the voters, the government, the people who are doing enforcement, the NGOs, and the scientists all together, because in sense, in the St. Lawrence, this is well, some of the wells are the same that we found in the Dominican Republic, in that sense, because upstream in our place is the feeding grounds, and in the Dominican Republic, this is the breeding grounds. And I was there in March to do some filming there. And there's a big whale watching industry, started back when I came to Dal in 85. Now you have a lot of boats. I can't, and I don't want to speak about their relations, but it's something similar. It's really important because there, taking the example of Bay of Samana, which is really touristic, you take a plane, you go there, and you have those big resorts, and then it's fantastic because it's Mr. Joe Blow who can go there and see the whales like you showed. You know, it's fantastic. Everyone in the world, in our place, everyone, when you see a whale like this, and specifically the humpback, which is a really charismatic one, that's why I'm using this in my talk, you know. And but it's fantastic. That's what we want. When I talk about marine biodiversity, let's say, you know, charismatic species like this. So there is a lot of places, and I'm giving those two examples that I know a little bit more. But even in Dominican Republic, and I'm finishing with this, Leila Bulas, who is in charge of the monitoring there for the humpback, they have some education package for the youth. Yes. And they bring the youth on boats to help them to do some photos, photo identification, and back to the schools to talk about not only the whales, you know, but the marine wildlife in general. So this is fantastic, you know. And we should do this in every country where we want to do whale watching. Impliquer les jeunes, les embarquer sur les bateaux, les faire participer à l'identification, ramener ça dans les écoles. En République dominicaine, vous allez voir sur Google, vous allez voir, vous allez trouver. Ils ont des programmes absolument intéressants. Mais de rallier donc tous les intervenants dans une, je pas une structure, mais dans un groupement quelconque où chacun peut participer, je pense que c'est vraiment plus. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I would like to give the floor, or if you have a way of experience yourself, first to the lady, because I'm a very gender balanced. I've been training gender. We come to you. Yes. No problem. You come. You want to speak a little bit about Korean. We are here. What family? I see a family. Small word. I'm sorry. I just moved to the Special Research Institute 6 months ago. So I had a two sighting survey of bears of Korea. So I have nothing to tell you. Instead of my talking, please give me some kind of questions for me, if you have one. Yeah. Well, question for you. Is there ecotourism for whales in Korea? You have yes, some regional government have sighting survey for whales in Ulsan. Ulsan is very famous for whaling in the history, so they have one vessel for sighting survey. Are there a lot of people going there? Is it popular? Is it, do you know something about how it? Have you been there? Have you seen the whales? No, I just joined the scientific survey, and I did not attend the special survey. As you mentioned before, the possibility is 50%. It's sea or not sea. Just now. It's very difficult to see the squares. Alors, il y a un site, on fait un peu de tourisme balnéaire au Corée. C'est only one site, un site? One site.
Et aussi la probabilité de voir le bénin, c'est pas 100%, c'est un peu comme le bénin. Donc il y a un peu de, il n'y a pas de concurrence du Corée là, par rapport au bénin. J'ai demandé un peu le restaurant, la madame a juste commencé à travailler pour le bureau, donc elle n'est pas encore une expert, mais j'espère quand on fait le conférence après 4 ans, vous êtes encore là pour donner plus d'informations. So then, on the next conference, we will ask you again, and then you are an expert on word. Okay, yeah. Bon. En fait, merci beaucoup. Il n'y a pas de malin au Mali. Il dit non, c'est pas bien confirmé scientifically, but I do believe that it's true. Je ne sais pas comment toutes ces activités avaient organisé entre nature tropicale et l'État. Bon, mais je pense que du point de vue circulation des potes, il serait intéressant que nature fasse tout pour que l'État puisse s'engager vraiment pour mieux sécuriser les portes par lesquelles les baleines là sont observées. Non seulement pour réduire la pollution, parce que ça c'est un aspect très important de la zone, il faut réduire la pollution, mais également faire en sorte que le braconnage qui est en train d'être, qui commence maintenant, puisse ne pas continuer. Bon, l'autre aspect c'est de voir avec le Togo, parce que je crois qu'il faut voir avec le Togo s'il est possible pour ces industries togolaises qui émettent des trucs dans l'eau, de pouvoir trouver un moyen de traiter ces produits-là avant de les déverser dans l'eau, pour qu'ils deviennent moins nocifs pour les baleines. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que c'est la contribution de Mali. Mali, as we understand, has no whales, has no cause, but he's worried, or he says, well, we should stimulate the Belizean government on taking action on both on pollution, which is a problem in Belize, and also in the upcoming hunting of whales. I think that's still occasionally, but with these things changing and this might become a threat on the long term. I don't think for the big whales that's really too big, but for the dolphins it really could be something that people will embark on, as a lot of young and poor people, if they have no work, no job, can go into this kind of business. Ok, nous avons un représentant de l'État béninois ici. Peut-être qu'il a un message. Mais pour le moment, nous travaillons avec la force navale pour nos activités en mer, pour les problèmes de sécurité. Cette année particulièrement, les gens ont, parce que vous savez, selon les nouvelles, les côtes du Nigeria, il y a les pirates, et ça a créé encore un autre problème pour le développement de l'écotourisme. Les gens nous ont contactés pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons des pirates? Ils ont peur qu'on ait piqué un petit blanc en mer. C'est vraiment sérieux. Et nous travaillons avec les forces navales. Toutes les sorties réalisées cette année, et les forces navales viennent d'être dotées du matériel moderne pour la lutte contre la piraterie. Ce n'est pas aussi dangereux chez nous, mais quand même, ça sécurise, ça donne plus d'espoir pour les gens. On travaille avec eux. Mais à part cela, comme... I will translate that part, maybe a bit for the security situation, especially Nigeria, is having its influence on the Benin. There's some piratery in that zone. So there is also control of the marine of Benin, but again, if something happens when you go there with tourists, then of course you can forget about your tourist activities for the next 10 years. So that's something people have to take with us. It's not the area, the Benin area is say quite far away from where the things are really happening in Nigeria, but still, and there are, it's a good organized crime in general, so you never know. Okay, et autre chose, associer les enfants pour participer à des tours comme ça, je crois que c'est très très intéressant pour la suite. Et nous ne pouvons pas réussir cette activité sans l'appui de l'État.
surtout dans ce sens si on veut faire de l'éducation, et ou aussi des partenaires locaux. Et nous avons commencé des expériences. Pour le moment, ça coûte cher pour un Béninois de faire un tour avec nous en mer. Mais si on veut associer les enfants, ça veut dire qu'il faut trouver des sponsors ailleurs. Et présentement, nous sommes en train de travailler avec le port autonome de Cotonou, avec qui on a préparé un petit projet, pour, pas nécessairement pour les baleines, mais pour permettre aux gens qui travaillent au port que les enfants aillent découvrir la mer. Nous avons commencé un projet comme ça, et pour Noël prochain, en décembre, on va organiser des tours, des baptêmes de mer pour des enfants. Mais nous espérons que des services comme la direction des pêches, le Sénagraire, qui ont aussi comme action de sensibiliser le public, et surtout à la base, puissent nous appuyer pour continuer. I think that, I'm saying that we are working with people of Force Naval and so on, but concerning children, how to work with the children, for the moment, to take people to the sea is very expensive for us. We don't have money. And if you want to join the children, it's very complicated for us. For that, we need the support from the government and for others, partners, local partners. We have started a small idea discussion with Port Autonome de Cotonou, what is the Port Authority of Benin. And the first action we do in December is to take the children from the people working at the port, to take the children to the sea for education about, I think that, and to, we feel that this this thing, this form of education is very important for us, and we need the support of the government, and as we have one person from the Department of Wildlife in Benin, in the activity, they need also to do education. Perhaps we can join our effort to do something. So, okay, we let him say a petit mot. Thank you very much. I would like to congratulate Nadi Tropical and Mr. Nizia, and thanks very much and a lot. ICN, and one of you to be with us in this moment and to share with us our experience. Je voudrais remercier les uns et les autres d'avoir été là, remercier l'ONG Nature Tropicale et l'UICN des Pays-Bas pour ce qu'ils font ensemble aux côtés de l'État du Bénin. En parlant, il a parlé des forces navales. Il a parlé plusieurs fois des forces navales. C'est déjà le gouvernement. Il a parlé du port autonome de Cotonou. C'est déjà l'État. Même si ce n'est pas formalisé, c'est déjà quelque part les structures de l'État qui accompagnent déjà les actions de l'ONG Nature Tropicale. Alors, on a dit que in his talking, he tell about the naval force. He talked about authority, power authority, and rules and other structure of the governmental structure. As Senagref, who is such a governmental organization which is there for the fauna conservation, fauna, mammals, and earth, and in sea or in water. So we are there to join our efforts to the good of the NGO for the conservation for all the biodiversity. Donc je voudrais dire un peu en allant dans le sens de monsieur de Québec, que voilà, nous sommes dans cette dynamique. Aller ensemble avec les communautés de base que les ONG ont commencé. L'État appuie déjà d'une manière ou d'une autre ces ONG pour aller vers les communautés, avec les communautés. Parce que nous sommes aujourd'hui sûrs et convaincus que sans les communautés, aucune
conservation naturelle. Donc, je suis très content d'avoir, de vous avoir écouté, de l'expérience que vous vivez, vous faites déjà au Québec. Nous allons nous en espérer pour que, au Bénin, dans la mesure du possible, nous allons plus loin avec les ONG, ce qui repose un certain nombre de responsabilités aujourd'hui à la base. L'État doit rester en haut pour faire les lois, les suivre et suivre leur application. Mais les ONG et autres communautés organisées doivent pouvoir prendre la relève. Et je crois que c'est dans cette dynamique que nous sommes. Voilà ce que j'ai voulu dire pour dire que l'État est aux côtés des ONG, est aux côtés des Natures Tropicales, est aux côtés des ONG aussi bien nationales qu'internationales, parce que nous ne faisons rien sans ces ONG. Merci beaucoup. Ok, thank you very much, Mario. So last thing was Sven thanking the interventions both from South Africa, from Quebec, Canada. Are you from Quebec? Stressing again that the work is something you have to do with a different group, different actors in society. So it's not only the government can provide the rules.